Bonjour, chronique littérature aujourd'hui, fantastique essentiellement, on va dire, un petit peu science-fiction en même temps, et pas tout neuf certes, quoique le livre vient juste de paraître en français, puisque je vais vous parler de Le Roi des Chats de Stephen Vincent Bennett. C'est traduit de l'américain par Pierre Javel, avec une préface de Thierry Gilibeuf, ça a été publié par L'Éveilleur dans la collection L'Éveilleur étrange fin 2017, c'est un petit bouquin qui fait un peu moins de 150 pages. Stephen Vincent Bennett m'était complètement inconnu jusqu'à ce que je lise sa nouvelle Le Roi des Chats dans la fameuse anthologie fantastique dirigée par Dashiell Hammett, Terreur dans la nuit, où il côtoyait Lovecraft, Evers, etc. Pour autant, cette nouvelle n'avait absolument rien de terrifiant, c'était une satire sociale, légère et enjouée. Le petit recueil joliment illustré concocté par L'Éveilleur nous offre l'occasion de relire ce texte, accompagné de cinq autres, dans lesquels l'auteur, poète admiré en son temps et titulaire de deux prix Pulitzer, ce qui ne doit pas être très commun, même si le second était posthume, l'auteur donc livre autant de variations sur l'imaginaire, fantastique, allégorique, science-fictif éventuellement, uchronie, post-apocalyptique. L'humour est souvent de la partie, mais il s'y trouve bien d'autres choses et parfois bien plus graves. Le Roi des Chats, la nouvelle, donc, et une relecture, relève plus ou moins d'une sorte de merveilleux burlesque qui déboule dans les cancans de la bonne société américaine pour mieux la railler. Ici, ces dames se pâment pour un chef d'orchestre qui, voyez-vous ça, est doté d'une queue avec laquelle il manie sa baguette. Sa dextérité est absolument hors norme. Mais qu'en est-il donc de cette princesse siamoise qui affole les hormones de notre héros, jeune homme pathétique et pas qu'un peu couillon, à vrai dire méprisable? Vous vous en doutez très bien. Un texte léger, enjoué, oui, une des nouvelles fantastiques les plus connues de l'auteur, mais en ce qui me concerne, le meilleur est assurément à venir. Le Roi des Chats est une nouvelle délicieuse, mais d'autres ici m'ont bien davantage parlé. Le cas de la nouvelle suivante, La fuite en Égypte, est cependant particulier. Pareille nouvelle ne peut pas être lue hors contexte. Nous y adoptons le point de vue d'un garde-frontière mesquin qui voit défiler devant lui le peuple maudit banni du Vaterland, ami d'enfance inclus. On y voit nécessairement le sort infligé aux Juifs par les nazis, et on ne s'étonne pas de cette chute qui n'en est pas une, révélant, entre guillemets, qu'un Joseph et les siens figurent parmi les rejetés. À l'horizon, on entrevoit peut-être aussi Israël? Bon, c'est secondaire, je suppose. Mais voilà, cette nouvelle date de 1939, ce qui la rend sombrement prophétique, et en même temps presque timorée au regard du degré des exactions à venir des nazis. Ce dont on ne saurait bien évidemment blâmer l'auteur, ce n'est pas du tout le propos. Mais l'ironie de la conclusion n'en est que plus amère. Après quoi, le docteur Mellorn et les portes de perles permet heureusement de relâcher un peu la pression. Cette nouvelle très drôle et truffée de gags met en scène un médecin acharné dans son travail, et ses tours de prestidigitation minables, qui se retrouve au paradis, mais s'y ennuie à... bon, bref, il préfère se rendre en enfer, où au moins il a du travail. Une satire très pertinente et enlevée, on rit de bon cœur, ce qui n'exclut pas un fond éventuellement plus grave qu'il n'en a tout d'abord l'air. Suit L'Homme du Destin, peut-être ma nouvelle préférée du recueil, et figurez-vous une uchronie, qui emprunte une forme épistolaire pour le moins savoureuse. Nous sommes en 1789, avant que ça ne dérape. Ça ne dérapera pas, nous assure notre narrateur, un général anglais en convalescence dans quelques villes d'eau du sud de la France. Là, il rencontre un confrère, un officier français né en Sardaigne ou quelque chose comme ça, un homme qui a une haute idée de lui-même et enrage de n'avoir jamais eu l'occasion de faire la démonstration de ses considérables talents. Anecdotes et paroles, la famille envahissante de l'officier également, nous révèle bien vite ce qu'il en est, le bonhomme n'est autre que Napoléon Bonaparte, né 20 ans trop tôt. Les génies ne sont rien sans les circonstances qui leur permettent de briller. Une nouvelle très subtile, drôle mais pas seulement, et d'une plume délicieuse, un vrai modèle du genre en fait. Les deux dernières nouvelles reviennent à quelque chose de plus frontalement grave et partagent un même thème, l'effondrement de la civilisation. Dans La Dernière Légion, pas à proprement parler un texte fantastique ou SF, l'armée romaine abandonne la Grande-Bretagne, on la rappelle sur le continent. L'ambiance est amère, nombre des contemporains savent très bien ce qu'il en est, les légions ne reviendront pas, Rome ne tiendra pas. Mais quelques légionnaires se bercent encore l'illusion, la puissance éternelle de Rome et de ses soldats ne peut tout simplement pas disparaître de la sorte. Eh bien, si. Belle nouvelle, d'une force d'évocation admirable et d'une ambiance pesante et sombre qui fait des merveilles. La dernière nouvelle de ce recueil, L'Âge d'or, reprend ce thème, mais dans un contexte d'anticipation post-apocalyptique. Nous y suivons un homme, un indien, nous dit le paratexte, mais je n'en suis pas convaincu, c'est plutôt qu'il doit évoquer au lecteur un indien, prêtre en formation pour sa tribu, qui vit son épreuve initiatique dans les endroits morts, les endroits des dieux, et décide d'aller un peu plus loin qu'il est raisonnable.
Avec lui, nous arpentons les ruines d'une ville inconcevable, une ville qu'on comprend bien vite être New York, en ruine. Les dieux étaient des hommes, et leur monde s'est effondré. Le titre de la nouvelle n'en est que plus cruellement ironique. Pourtant, ce tableau des cycles de la gloire et de la décadence des civilisations n'est peut-être pas si unilatéralement pessimiste, car d'autres civilisations sont envisageables. Elles disparaîtront, nul doute à cet égard. Mais d'ici là, il y a peut-être des choses à faire. Un très bon recueil qui illustre le talent pour l'imaginaire d'un auteur un peu oublié, surtout de par chez nous, et qui mériterait pourtant bien qu'on y revienne. Bennett, poète avant tout, écrivait, à en croire ses exégètes, ce genre de nouvelles pour en tirer un revenu relativement régulier. Son application et son talent, cependant, font plus que les sauver. Ce sont autant de grandes réussites d'un auteur professionnel, sans doute, mais pas moins talentueux. Très bonne initiative, donc, que la publication de ces 6 nouvelles, riches de qualités variées autant qu'indéniables.